Jette ton verre de lait aux toilettes. Quand j'ai su ça sur le lait de vache, je suis resté assez surpris. Non seulement le lait de vache contient majoritairement la caséine de type A1 qui cause de l'inflammation et des problèmes digestifs, mais ça peut aussi causer des problèmes chroniques inflammatoires, dont l'obésité qui est une maladie inflammatoire, l'arthrite, le diabète, l'eczéma, le psoriasis, la maladie de Crohn, le syndrome du côlon irritable et bien plus encore. De son côté, le lait de coco peut être bon pour tous ces bienfaits-là, sauvegarde l'image maintenant, alors que le lait d'amande non sucré peut être très bon pour tous ces impacts-là. En résumé, si tu fais attention à ton microbiote intestinal et à ton inflammation, t'as beaucoup plus de chances d'accélérer ta perte de poids. Si tu veux améliorer ta nutrition et que tu sais pas par où commencer, j'expédie mon livre gratuit aux 20 000 premiers lecteurs. La seule chose que t'as besoin de couvrir, c'est les frais d'expédition de Post Canada pour le recevoir chez toi. Y a aucun arnaque, aucun abonnement, on est des vrais professionnels de la santé. Il y a plus de 17 000 lecteurs qui ont adoré notre livre, donc t'as juste à cliquer sur le bouton en dessous de la vidéo, rentre tes informations et je t'envoie ta copie physique chez toi, livrée par Post Canada.